Salut à tous, c'est Costartium, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et je vais passer la journée au parc Saint-Paul. J'y étais déjà allé il y a quelques mois, quelques années, j'en sais plus rien. Mais il y a deux grosses nouveautés à découvrir. Tout d'abord la première nouveauté qui est encore un peu en construction mais qui j'espère va ouvrir aujourd'hui. C'est une sorte de disco, c'est un disco coaster. Et puis juste après là-bas, il y a leur tout nouveau wooden coaster qui apparemment est très intense, donc on va aller tester ça. Allez, c'est parti pour une journée au parc Saint-Paul. C'est parti pour leur tout dernier coaster, le wooden, qui apparemment est très intense en termes d'airtime. Effectivement, il y a plein de belles bosses, donc on va tester ça, c'est parti. Là on ressort du Wood Express qu'on a pu enchaîner plusieurs fois et le Formule 1. Le Wood Express est quand même top, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre en commentaire comment vous le trouvez, mais moi je le trouve vraiment super sympa et les airtimes sont fantastiques. Il commence à trembler un petit peu dans les virages, mais ça reste quand même tout à fait correct par rapport au Tonnerre de Zeus par exemple. C'est parti pour la tour de chute libre. C'est à toi bien, Julien. Hein. C'est parti. C'est parti pour le wheel train juste après la tour de chute libre qui est plutôt sympa. Donc voilà, on va aller. Celui-là, j'ai déjà fait, mais bon, il est assez marrant, très compact. C'est plutôt beau. Pour les chaises volantes, bon, les chaises volantes il y en a dans tous les parcs et puis celles-là sont plutôt sympas parce qu'on est entouré de toute la zone un peu horrifique du parc qui est quand même, je dois l'avouer, plutôt bien faite avec la toute nouvelle attraction qu'on peut voir juste là-bas. Direction le Dino Splash. Dino Splash, donc c'est une attraction de base assez foraine, un flume assez forain, et puis au final ils ont fait un truc vraiment sympa avec plein de thématisations. C'est à partir de ce moment là d'ailleurs où le parc Saint-Paul a commencé à se thématiser. Et puis ils ont, j'ai l'impression qu'ils le font de plus en plus. Allez, direction le Dino Splash.
je suis un peu trempé mais ça va, et tout de suite on va aller direction le Safari Trip pour se sécher. Je vais vomir. Et après ça repart en arrière. Et c'est parti, direction la toute nouvelle attraction, elle ouvre à 14h, donc on va être presque les premiers à rentrer dedans. Alors bon, pour l'instant c'est en travaux, hein, donc forcément il y a encore pas mal de choses à faire au niveau de la décoration, etc. Mais ça risque d'être plutôt sympa, ils ont prévu de faire une file d'attente thématisée, c'est déjà cool pour le parc Saint-Paul. Mais bon, pour l'instant évidemment c'est en travaux, mais au moins ils ouvrent à temps. Oh!
direction l'Aquasplash tout de suite. Et ici au moins, l'intérêt c'est qu'on a nos bateaux pneumatiques qui remontent directement en haut. Donc ça c'est vraiment plus simple. Levez-moi. Et c'est la fin de cette journée au parc Saint-Paul. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Si vous voulez retrouver mes autres vidéos, vous pouvez les retrouver sur mon compte YouTube. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Facebook ou encore Snapchat. Il va y avoir plein de parcs qui vont arriver, surtout dans le sud de la France. Donc on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. A plus.